Salut tout le monde, on se retrouve sur Euro Truck Simulator 2 en multijoueur avec Tonio, encore une fois. Et pour le deuxième épisode de l'hebdo du routier. Voilà. J'ai acheté mon Iveco avec le volant à droite. Donc on va aller l'inaugurer en Angleterre. On part de Rotterdam et on va aller à Aberdeen, un truc comme ça. Aberdeen. Aberdeen, oui. C'est un nom bizarre. Donc voilà, donc là on va aller au port là, je pense. Ou non, attends. Oui, on va aller au port. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Ouais, parce que c'est vrai que le port, c'est quand même assez souvent un endroit où il y a des. Ben, je sais pas, des bugs de collision, beaucoup de monde qui se rentre dedans, tout ça. C'est assez compliqué. Ouh là là. Je trouve qu'il se retourne un peu plus facilement que mon Scania quand même, hein, l'Iveco. Faut que je fasse attention. Ah, il est plus léger, je crois, l'Iveco. Ouais. Donc, bon, je vous le montre, les amis. Je l'ai mis en vert. Pour mettre du vert. Voilà. C'est pas forcément que ça me plaît. Mais bon. Ça change. Oula, voilà. Bon. Après, donc, qu'est-ce qu'on transporte? Ah, ben. Voilà. On transporte 16 tonnes de matériel contaminé à NBFC. Ouais. En partant de. On partait pas déjà de NBFC? Ici, bon, on fait NBFC, NBFC quoi. Merde, voilà, voilà. Et on a 26 000 euros de récompense. Je roule un peu au milieu parce que je ne regarde pas. Ah, c'était là. Ah oui, même moi j'ai été plus loin. Bon, ben on va se taper une marche arrière. Ah. Ce qu'il y a, c'est que je vois pas bien s'il y a quelqu'un qui arrive. Ou si on peut tourner plus loin, oui. Non, non, mais on va passer là, c'est bon. Hop. Voilà. C'est nickel. Bon, je me mets sur le côté pour te relaisser passer. Oh ben on est arrivé là, ça changerait. Non, on est arrivé là au fond. Ouais. Ça bon, va, il voilà. Y a pas trop de monde, ça va. De quoi? Il y a pas trop de monde là, ça va. Ouais. Le plus c'est à l'aéroport là. Il On est 1341 sur le serveur. Donc oui, voilà, on a fait bien pire. Je sais pas combien il y a de places maintenant qu'ils ont modifié. Je sais pas. Ah, je sais pas. Avant, c'était à peu près 2500. Maintenant, franchement, je sais plus. Je sais pas, j'ai jamais regardé. Ouais, ben moi, ce qu'il y a, c'est que j'avais fait une petite période sans y aller. Et du coup... Attends, je sais pas par quel côté il faut entrer, par quel côté il faut sortir. C'est par là, le petit rentré. Ouais, parce qu'il y a 2-3 petites entrées. Alors... Mais il y en a donc qui ça... savent toujours pas pour sortir. Hein. Non, mais... Qu'est-ce qu'il a fait l'autre? L'autre, il sort par la même entrée que nous, les rentrés. Il faut sortir par la petite, c'est ça? Ah oui. Je vais juste regarder sur la map. Ah d'accord, on est passé au port de Amsterdam, d'accord. Parce que moi j'ai l'habitude de passer au port de Rotterdam, c'est pour ça que ça me faisait un peu bizarre. Ah, Rotterdam, c'est la meilleure là dans l'aéroport. Hop, et voilà. Donc on va au port de Tine. 16h32 trajet. Donc c'est bête parce qu'on aurait pu arriver de jour si on était en solo. Ouais. Là du coup on part de nuit, on arrive de nuit. Mais de toute façon l'heure elle compte pas là-dedans. C'est peut-être ce qui serait bien, c'est qu'il décale l'heure, tu vois, entre un certain pays et un autre. Là, par contre, je vais pas avancer parce que je vais avoir un bug de collision avec l'autre. Quand je vais sortir, je vais avoir ma remorque. Oula, j'avais pas vu ça. Non, il y a un truc de nos collisions ici. Oui, mais à la sortie, tu vois, si t'as ta remorque par-dessus quelqu'un qui est resté dedans et que toi tu sors, que du coup ça te désactive, ça te réactive la collision. Et du coup, le mec, t'as ta remorque qui va voler et le mec, j'avais peut-être aussi. Le truc, hein. On roule à gauche. Ouais. On roule à gauche. Je l'avais, moi, la remorque à l'autre à mon cul. Ça a passé. Ouais, je sais pas. Peut-être que t'es. Ça dépend. Non, ils les ont enlevé ces bugs-là, justement, dans cette mise à jour. Vous avoir... Dans la nouvelle mise à jour, ils ont enlevé ça. Ah, ouais, ils ont enlevé ça déjà. Dans celle d'hier, ils l'avaient enlevé. D'accord. Je savais pas. Tu peux te décrocher là, des remords. Non, pas ça. Quand tu sors par exemple, t'as l'avant de ton camion qui est où il y a des collisions.
Et t'as l'arrière qui est dans une zone de non-collision. T'as l'arrière, du coup, tu te dis, bon, ça va, il est en non-collision, mais il est, par exemple, t'as quelqu'un qui est à travers de l'arrière de ton camion, qui est en non-collision. Ouais. Tu vas avoir des dégâts, quoi, une collision, parce que t'as l'avant de ton camion qui est sorti de la zone de collision, du coup, ça compte tout ton camion comme étant en zone de collision. Ah oui, ça t'as compris? Ben moi, ça me l'a fait deux ou trois fois quand même, avant que je comprenne. T'es toujours derrière, en fait? Non. Mmh. Non, je suis pas derrière. J'accélère un peu. Je crois que je vois tes gyrophares. Ah oui, c'est bon, je vois l'orange de ta remorque. Mmh. Hop. Voilà, donc c'est quelle heure? C'est 22h35. Donc l'avantage là, c'est que du coup j'ai le compteur en miles par heure. Du coup, ça va être plus facile de pas me prendre les radars. Parce que quand je suis au Royaume-Uni, souvent, me fait un peu avoir. Moi ça va, j'ai pas trop de mal. Ça va, j'arrive bien. Il a un bruit un peu space, hein, quand même, l'Iveco, par rapport aux autres camions. Ah ouais. Oula. Surtout freine pas, toi. Hein. Qui? Ben, le mec, il me passe devant, là-haut, comme ça. C'est juste que j'ai la priorité. Bon, j'arrive. T'es pas trop loin? Parce que bon, le mec en fait j'arrive, il me passe devant comme ça alors que j'ai la priorité. Je pense avoir la priorité parce que quand même en Angleterre c'est peut-être différent. Mais dans la logique c'est quand même... Le mec il doit quand même dans la logique me couper... Enfin je sais pas. Bon peut-être pas. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires, moi, j'en sais rien. Aucune idée. Mais bon, quand même, ça me paraîtrait plus logique que je sois prioritaire dans ce cas-là, parce que lui, il est un peu obligé de tourner. Enfin, il peut aller tout droit s'il veut, mais quand même, il serait un peu obligé de tourner. Et je sais pas. Bon, peut-être que je dis de la merde. T'as besoin de descendre ou pas ? Non. Je vois pas très bien. Je sais pas quel compteur c'est, mais bon, ça va aller. En principe, il est neuf, mon camion. Alors, je pense qu'ils me l'ont vendu avec le plein. Faut espérer. Oui, ils me l'ont vendu avec le plein. J'ai un email, je sais pas pourquoi, enfin, il faut que je regarde. C'est ma banque qui me dit que je suis encore à découvert. Et oui, je me suis encore endetté pour acheter ce camion. Enfin, je me suis endetté de 10 000 de plus, donc ça va. J'ai ça change pas, ça, le découvert. Moi, je suis toujours à découvert et toujours avec des milliers, des milliers, des milliers d'euros de prêts. Je suis une catastrophe économique, financière. Ah là, de voir ces grosses pelles là sur le bord de la route, ça me fait penser que ben, ce matin avec Thomas on a essayé de faire préparer les travaux publics pour une carrière subie, mais bon c'est extra bugué, alors je pense qu'on va commencer par un autre thème, mais bon j'ai du stock de thèmes dans ma tête, alors j'espère qu'il y en a la plupart qui vont pas bugger. Donc en solo ça va, en multi ça va pas. Donc voilà, mais bon, en même temps, j'aurais plutôt envie de le faire en multi. J'ai pas spécialement envie de le faire en solo, donc je sais pas. Si un jour j'ai envie de me faire une carrière suivie en solo sur farming, ben, je prendrai. J'en profiterai pour faire le TP. En plus, tu vois, enfin, surtout que c'est Thomas qui m'a trouvé tous les mods et tout ça, il m'a tout expliqué. On y a passé pas mal de temps, il m'a trouvé une vingtaine de mods. Ouais. Les modes sont buggés en multijoueur, c'est ça qui est cool. Ouais, en multijoueur, en solo ça va. Oh, en solo il marche très bien. Aïe, ralentis un tout petit peu mon petit Tonio. De quoi? Si tu peux ralentir un tout petit peu parce que j'ai un peu de mal à suivre. J'avance. Mais là fais gaffe, il y a des grands virages. Tu as 190 chevaux de plus que moi. Là je vais ralentir, hein. Il y a beaucoup de S là. Donc,
On mettait un camion quand même plus stable que moi, alors au final. Alors, oh, stable, oui, non. Il va vite sous le côté. Hein. Des fois, la cabine est bouge. Je peux le dire. Bah, en même temps, ça le fait à tous les camions, mais bon, plus ou moins. Mais des fois, je me tire vite sur le côté. J'essaie de me mettre à la limite avant de partir. Un peu chaud. Je vais couper mes gyrophares. Je te vois mieux dans le rétro. C'est un peu. J'espère que ça sera pas trop sombre le jeu avec, avec la nuit. Je suis encore et encore dans mes réglages de. Ou dans le plafard, après ils vont bien voir. Du jeu de quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ou dans le plafard. Oui, je suis en plein phare, oui. Tu sais, j'oublie pas les autres. Je vois Et juste en ça. plus, j'ai ma rampe de toit en plus. Parce que moi je te vois là en plafard. J'ai mon fil de mon casque qui me fait un peu chier là. J'ai failli partir et j'aurais pas pu me rattraper. J'ai pitié, mon klaxon. J'ai entendu. C'est moi ça. Je t'entends pas, moi. T'entends pas le klaxon? Non? Ah, mais c'est normal, t'es un peu loin. Oui, je suis pas tellement loin. J'ai oublié de passer mes vitesses, surtout. C'est bien ce qui me semblait. Je me suivais bien et j'ai passé une vitesse. Je vois plus. Ah, bah là, je suis juste derrière. Tu vois pas mes appels de phare là? Ah, si, je les vois. Si, je les vois. Je les vois. Ça, par contre, Bon, ils ont bien ça te ça. gêne pas mes phares? Non, je te vois juste de loin. D'accord. Non, il est quoi. Je te vois bien. C'était pas mal. Ah, je l'entends là. Ah. Moi, je t'entends très bien. Ah, oui, c'est terrible. Ouais, et sur les hélicos, c'est pas extra. Mais pourtant, là, c'est avec les trompes que j'ai klaxonné, c'est censé être plus fort. C'est les trois petites trompes là, que j'ai mis. Ah oui, les petites pipettes, là. Ah, il klaxonne terrible. J'ai plein de départ, mais. Klaxonnette. Bon. C'est combien de chevaux maximum sur les Renault? Pour les Renault Premium? 400 et quelques, je crois, je dirais ça. Putain. Et les Renault. Comment on appelle les grands là? Magnum? Magnum, je sais plus. Il doit être 500, je crois. 500, ouais, 540, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Il doit être ça. Mais justement, ils vont changer là, dans la mise à jour, la grosse mise à jour là, qu'on attend plus. Ils vont changer un peu la puissance des camions. Ah Les bon? Vécos, au lieu de passer à 400 et quelques, ils vont les mettre à 500 directement. Au début? Ouais. Non, D'accord. je sais plus. Parce que moi, Maxi, là, j'ai 560 sur Iveco. J'avais vu ça sur un forum, je sais plus qui j'avais vu ça sur le forum D'accord. PSG. Donc, qu'est-ce qui est prévu à l'avenir? C'est donc trois nouvelles villes. J'ai oublié les Trois nouvelles noms. villes. Je crois qu'il y a Ljubljana qui doit arriver, un truc comme ça. Ralenti, radar, De 50. quoi? Un radar, ben, je me suis Ah préparé. oui. Donc ça c'est en Attends, je l'oublie. Ça doit être en Slovénie. Non, ou en Slovaquie. Un des Les deux. trois villes là? Et une des trois, je crois. Mais enfin, je suis pas Ouais. sûr, mais il me semble que j'ai vu ça quelque part. Oui, si, Ah c'est. non, 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 pardon, 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 je suis bête. Ça c'était Non? autre chose. Ces trois nouvelles villes, c'est en Espagne et Portugal, je crois. Non, 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 c'est pas du tout ça, c'est la map C'est pas ça? d'origine, ils rajoutent trois nouvelles villes à côté et ils Oui, je vont. sais, trois nouvelles villes, mais il me semblait que c'était en Espagne et. Mais Ou non, alors déjà. c'est. Ah non, mais. Je confonds encore, ça c'est la nouvelle TSM. Ah, voilà, la PCM, ouais. Voilà. Mais c'est parce que j'entends le chiffre 3 villes. 3. C'est tout. Oui, voilà, faut tourner. 3 villes, ça me fait penser à ça de suite. Alors j'avais ça dans ma tête. Alors j'ai oublié du coup qu'est-ce que c'est ces villes. Bon, bref, c'est pas grave. C'est J'arrêtais de du dire côté des de. caca. À côté de l'Italie, je crois. Ou Pologne, un truc comme ça. Juste à côté. Je te dirai ça tout à l'heure quand ça sera arrivé. Je sais un peu trop. Donc, nouvelle ville, il y a le Mercedes MP4 qui doit arriver. Bon, enfin, je sais pas s'ils feront tout en même temps. Faut Ça, espérer. je Enfin, faut sais pas. espérer que ça arrive le plus vite possible. Le truc que tu viens de dire là, en plus de ça. Ah oui, le siège réglable aussi. Ouais, c'est réglable, ouais. Ça, c'est bien.
Et modification de la puissance, d'après toi? Je sais pas. Bon, c'est peut-être pas source sûre, hein, ça vient d'un forum Ouais, pour pas amuter. officiel, donc. Mais Vraiment. bon, on peut espérer. Si c'est. Le chien, c'est Ça sûr. peut être que du plus. Chien, c'est sûr, et les trois nouvelles villes. Ah, j'étais en dixième. Les trois nouvelles villes, c'est pour la map de base. Il n'y a pas Ouais. d'autres maps. Il y en avait aussi trois nouvelles sur la TSM 5.0, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Ah oui, il y en Et a. j'ai confondu. Oui, parce que oui, c'est logique, parce que là on n'a pas l'Espagne, donc Moi, je joue sur ça la pouvait map pas être de nouvelles villes dessus. propre. Je regarderai juste après et je vous dirai. Voilà. Donc ben, je rappelle aussi pour ceux qui veulent me rejoindre sur Facebook, je vous y invite. Il y a le lien dans la description, je vous ai mis je vous mets quelques news, quelques trucs comme ça. Là, je vous ai balancé la bande-annonce de Farming Simulator 2015 l'autre jour, ça devait être hier d'ailleurs. Donc voilà. Le radar, ça ralentit. Ouais, bah, tu vois, pour une fois que j'ai le compteur à 50, je ralentis pas. Le compteur en miles, je ralentis pas. Non, parce que j'ai besoin de te rattraper alors. Ah mais c'est pour pas pour me faire flasher. Au pire, attends, je suis à combien de kilomètres 74, 73. 110. C'est bon. Regarde. Je repasse un tout petit peu devant pour Vas-y. que tu vois un peu à quelle vitesse je roule, que tu Vas-y. regardes un peu comme ça, t'essaies de te caler. Je peux me rabattre? Oui. Oh Ah! non, c'est bon. Oh! Ah, je t'ai vu glisser un Virage peu. un peu rapide. Je t'ai vu glisser, moi, par contre. Ouais. Allez Coco, repars du. Ah! Ah merde! Je suis redescendu d'un étage, je suis passé de 12e en 5e. C'est un peu normal que mon camion il ralentit là. Et d'accord, je suis passé à 70. Ouh. Oui, j'ai Allez vu Coco, ça. repars. Je me suis décalé à droite. Tu Je suis verras un dans la danger vidéo, public. tu verras dans la vidéo, dans ton repos, je me suis décalé à droite. C'est sinon, Je j'aurais l'aurais tapé senti sinon. sans dégâts. Non, j'aurais Et tapé encore, sans j'ai dégâts. l'impression que quand on fonce dans la remorque de quelqu'un, la personne ne s'en aperçoit pas. Parce qu'il y a Non, des fois c'est comme ça, par exemple, que quand t'as des bugs que je te tape la remorque, tu sens rien. C'est assez bizarre. Ah, tu le sens pas, mais c'est l'autre qui le sent. C'est 100% de dégâts, hein, généralement. Ouais. Ah, il n'a pas beaucoup de reprises par contre, les Lego. Allez Coco! Il est Coco! J'ai du mal du coup là, je suis obligé de mettre mon GPS de temps en temps pour regarder à combien je roule. Parce qu'à la limite, tu Ouais, vois, c'est si j'étais très avec bien. mon camion habituel, tu vois, je saurais à peu près, j'aurais à peu près l'habitude. Je saurais à combien je pourrais aller, tout ça. Ah, Parce que ouais. celui-là, je suis pas tellement habitué quoi. C'est vrai que les Iveco, je les prends souvent plutôt dans les missions rapides. Donc c'est vrai que Ouais. c'est assez rare. C'est Ou vrai alors que sur. il y a une partie où je l'avais pris à un moment, mais bon. Il s'ajoute à ma collection de camions, vu que je veux avoir un peu tous les camions du jeu. Bon, moi ce qui me tarde vraiment c'est le Mercedes MP4. Parce que j'aime Ouais, beaucoup les Mercedes. Mais l'actuel, j'ai un peu de mal. Moi, je crois que je prendrais celui-là aussi. Ici. Ah mais de toute façon là toutes les nouveautés qui vont arriver ça va. Je vais être à fond dessus là. Et tous les nouveaux jeux qui arrivent, tout ça, je vais faire des trucs spéciaux, tout ça. C'est nous des nouveaux trucs comme ça qui sortent. Bon enfin, c'est juste régler un siège ou comme ça, on peut pas Bon, grand après, chose faire grand chose dessus, mais American Truck, un nouveau j'espère que. camion comme ça, bah, je vais faire que de ça quoi. Je te disais, j'espère que American Truck, ils vont pas leur pousser encore. Ouais, donc ils avaient Bon. dit quand? C'est septembre American Truck Ouais. et octobre, 30 octobre Farming. Ouais, voilà. Bah, Farming, je pense que le 30 octobre, il est sorti. Au Hein. Farming, je crois pas qu'ils. Je pense qu'ils vont être. Ils vont être bien, bien calés. Ils l'ont Ouais. déjà mis en Mais précommande. alors, bon, fait. Oula. En principe, c'est des images du jeu dans la bande-annonce. Mais j'ai du mal à y Mais croire. J'ai beaucoup de mal à y croire. c'est déjà, à Parce mon que avis, il quand y aura une même. map forestière, déjà, à mon avis, c'est cher dans le Ouais, jeu. ben là c'est. Oui, ça c'est prévu, ça. Il va y avoir du forestier. Mais parce que quand même, niveau graphisme, ils partent quand même un peu de loin. Donc, je sais Ouais. pas s'ils vont.
Je sais pas, je trouve ça un peu. J'ai un peu de mal. Parce que là, c'est vraiment. C'est presque réel, quoi. On a presque l'impression d'être en vrai. Bon, d'accord, ça va être. On sera encore en 2014. Enfin, ça sera 2014, mais. Je sais pas, j'ai quand Parce que même du mal. c'est un tous les 2 ans, quoi. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils sortent l'année d'avant, quoi. Le jeu de Ah ouais. 2015, ils sortent en 2014. 2013, ils sortent en 2012. Ah ouais, c'est sûr, c'est. Bon, je te demande pas si tu me suis, hein, parce Ouais, je suis, hein. Je suis. que tu as ce qu'il faut pour me suivre, là. Ah ouais, bah oui, là, c'est carrément mieux. Peut-être ralentir un peu. Ah, une jolie descente. Je vais peut-être en profiter pour prendre un peu de vitesse. Oh, il va passer les côtes. Ouais, tu roules à ça, ouais. Ouais, c'est ça, hein. 130, hein, les vélos. Là, je suis à 122. Ouais, c'est ça. Tu te rattrapes à 130, hein, c'est ça. Les vélos, 120, ils peinent. C'est un peu comme les Renault. Premium. Les Renault, il y a des modes pour avoir des meilleurs moteurs et c'est indispensable quoi. Bon. Enfin, ici, on peut pas mettre des modes. Alors j'avais téléchargé un mode comme ça, sur tous les camions ça te donnait des nouveaux moteurs plus puissants. Ah ouais, Donc je avec devais la laisse. avoir 700 et quelques, peut-être 800 sur le Renault. Oh ouais, oui, là c'est trop. C'était commode quoi, parce que bon, je m'en étais servi parce que j'avais pris un train routier en Renault. Ce qu'il y a, c'est que bon, les 480 chevaux, c'est un peu compliqué quoi. Ah ouais? 460 ou 480, c'est un peu Ça dur. tirait pas? Donc là, je m'étais ajouté les chevaux et c'était un peu plus facile. Moi je l'ai tenté, j'avais tenté le train routier, j'avais pris un. Je sais pas, un train. Ça va, moi ça Oh oui, tire. mais bon, si t'as des chevaux, ça va, mais avec le petit Renault, bon. Ouais, c'est vrai, petit Renault. J'étais avec le premium quoi. J'ai mis ça parce que bon, c'est un camion que j'ai l'habitude de voir en train routier. Par rapport aux autres, bon, c'est vrai, on voit pas tellement de Scania en train routier, donc voilà, c'est pour ça. J'ai une mouche qui m'embête là. Ah, pour moi. Ils ont dû entendre un scooter qui est passé. Pas grave. Hein. Je croyais que c'est toi qui venais te klaxonner. Non. Ah, c'est pas. Bon, du coup, là, j'ai aucune notion de combien de temps on a passé en vidéo. Je pense qu'on va se baser sur la mission. Hein. Ouais, je pense, ça fera peut-être 30 minutes, je pense. Donc, si elle est plus courte ou si elle est plus longue que ce que je fais Je d'habitude, pense. Hein. je sais pas. Moi, je pense que tu essayes de te baser à 30 minutes, je pense. Comme ça, quoi. Ouais, mais bon, quand toujours Ouais. je me prépare le chrono, mais je le lance jamais. On va dire, ouais, ça fait à peu près 30 minutes, je pense. Je vais regarder un peu sur mon téléphone, ça fait 30 minutes. Je vais le rentrer, hop, je l'active juste comme ça le chrono, juste pour avoir une idée. Ah, moi, je vais pas Mais livrer là-bas. tu livres à la série? Ouais, voilà. Ah ouais, c'est pas grave, vas-y, je suis Attends, sûr. attends, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Dis-moi où tu livres exactement? Treat. Treat. Bah, je te suis alors. Ouais, bah, on va faire une tour dans la ville. Je pense. Vas-y, je te suis, va, fais, on va bien. D'accord, tranquille, je te colle. Je vais faire demi-tour dans la ville. Aïe. Ah! Aïe. Bon, si on passe. Tu. Eh oh! Qu'est-ce qu'il fait, lui? Attention! Je le bombarde de klaxons. Ça va, j'ai pas pris de dégâts quand j'ai pris. Je vais faire demi-tour dans la ville. Donc, ben, si tu passes par la ville, alors je vais déposer ma mission, puisque Oh, je passe pire. par la ville, moi aussi. Pire. Ça, je vais être plus léger, je vais arriver à te suivre. Je te dis. Attends, mais on va passer par les garages, hein, que je les découvre, parce que j'ai pas découvert la ville. Vas-y. Passe devant, pire. Je te double par la gauche, c'est pas bien ça. Ouais, mais c'est moi qui fais se passer. Laisse passer. Oula, je me suis pris une amende encore. Oula.
Je vais bien avoir besoin de mon salaire là. Alors, je vais tourner ici. J'ai mangé pas, c'est trop vrai, petit pour voir ce qu'il y a. Feux, sont... Ouais, voilà, les feux qui clignotent, ça c'est bien la nuit, parce qu'on n'a plus à attendre les feux hyper longs qu'ils nous ont mis. Ils ont dû nous voir en scène de gauche. Oula, celui-là, comment il s'est foutu là-bas, lui? Zajac. Comment il s'est mis? Ouais, et là par contre pour passer. Ça passe, hein. L'arrière ça passe. Ah oui, parce que toi t'es. Ce qu'il y a, c'est que je montais sur le trottoir devant. Alors, l'agence de recrutement. Et je vais livrer à NBFC. C'est bizarre, j'ai jamais livré une remorque comme la tienne à la Syrie. Ouais, c'est pas, c'est bien. Ça, je vais pouvoir te suivre. Je vais être plus léger. Je t'attends sur le côté. Hein. Ouais, ouais. Alors, par contre, en conduite à droite, j'ai pas trop l'habitude de me garer. Enfin bon, ça va aller. Je suis un peu pas très bien, mais bon. Est-ce que ça passe? Non, ça va pas passer. Du coup, je me trompe de côté, ça me perturbe. Alors, mes mails. Voilà. C'est bon, j'arrive. Ah oui, je te vois. Oh. Tu peux y aller. Hein. Non, j'ai juste freiné parce que je recalais mes pédales. Ok. C'est bon. T'as les feux de détresse, hein? Ah oui. C'est je crois qu'il aurait roulé avec, je crois. Ouais, je me serais repéré parce que j'aurais entendu. Ah, faut passer là-bas. C'est vrai que moi j'ai pas le GPS, du coup j'ai un peu de mal. De mal. Personne? Ouais, Anthony, il a été. Pas drôle. Tourne à droite à la prochaine. Je vais te laisser. Toi, tu mets clignotant là, on sait. Ah ouais, moi j'ai mal à l'avance. Parce que des fois, ils voient pas les gens. Ah, surtout. Ah, d'accord, elle est arrivée encore en contre-sens. C'est toujours le même fait de tout à l'heure. Je l'ai rasé. Donc voilà les amis, on est de retour parce que bon, j'ai mon jeu qui a crashé. Je sais pas pourquoi, mais bon. Je pense que c'est un bug. J'ai ouvert le chat, du coup, ça, je pense que ça l'a fait bugger. Mais bon, voilà, c'est pas trop grave. Donc, ben, de toute façon, on va s'arrêter là, les amis. Ça fait déjà une bonne vidéo. À peu près une demi-heure. Donc voilà. Donc, ben, les amis, je vous invite à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Allez voir ma page Facebook, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a pas mal de news, de petites exclus, tout ça dessus. Et puis, laissez un petit commentaire si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez vous joindre à nous pour le multi. Et puis voilà, vous abonnez aussi à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Donc voilà. Donc sur ce, je te remercie, Tonio. De rien. Et puis, ciao tout le monde. Au revoir. Et excellent jeu à tous. Merci.